Qui c'est qui a reçu sa box d'été? Bah c'est moi. Salut à tous, j'ai donc reçu ma Birchbox spéciale été, donc ça va être pour le mois de juillet et août. J'ai reçu ce petit carton ce matin, We Love Summer, et à l'intérieur se cachait une très jolie trousse avec à l'intérieur 11 produits, donc en tout ça faisait 12 produits si je compte cette trousse. Je commence donc avec ce premier produit que je porte, il s'agit d'un long lasting, c'est un mat, un rouge à lèvres. Il y avait deux possibilités de couleurs, moi j'ai reçu le power, donc en général je mets pas de couleur foncée, ça me va pas des masses, mais là je dois dire que je suis plutôt contente. Ensuite, je trouve une brosse format pocket de la marque Wet Brush. Il s'agit d'une brosse révolutionnaire qui glisse à travers les nœuds sans provoquer de cassure. Ensuite, nous avons un shampoing de la marque G Synergy à base de kératine et de protéines naturelles qui nettoie, hydrate et améliore la qualité de nos cheveux. Ensuite, je trouve, et je suis ravie de la marque La Roche Posay, c'est un après solaire hydratant. C'est donc un gel antioxydant qu'on va pouvoir appliquer aussi bien sur le visage que sur le corps. Il y a également un produit Rituel. C'est donc un gel douche sous forme de flacon pompe. Ça donne une mousse très épaisse, très onctueuse. C'est donc à l'orange et au bois de cèdre. Ça doit sentir super bon. Je trouve, c'est encore un petit rouge à lèvres, mais c'est un 2 en 1. C'est-à-dire qu'on peut le mettre aussi bien sur les lèvres, donc c'est un mat, que sur les joues. On vient tapoter. Moi, c'est vrai que j'adore utiliser ça sous forme de blush. Je trouve que ça donne un petit effet peps au visage qui est bien sympa. De la marque Jour d'automne, c'est un baume lissant qu'on va venir appliquer sur nos cheveux humides une fois qu'on les a lavés. Et il faut les laisser à l'air libre, ça va donner un joli effet apparemment à notre chevelure. Ensuite, je trouve de la marque Décléor Paris, c'est une très bonne marque, une crème légère hydratante peau fraîche. Donc c'est un tout petit format de 15 ml, c'est une crème hydratante, donc toujours pratique d'avoir ça de côté. Moi, tout ce qui est soin ou make-up, j'adore, donc ça c'est plutôt très très bien aussi. J'ouvre la deuxième partie. Et je découvre un masque pour les lèvres, c'est cool, j'ai jamais eu l'occasion de tester ce genre de produit. C'est hydratant, repulpant, 100% biodégradable. On nous dit que c'est vegan, 90% d'ingrédients naturels, il n'y a pas de parabènes. Et c'est sous forme, donc c'est la forme de lèvres, on vient le mettre sous forme de patch, on l'enlève et après nos lèvres sont toutes jolies. Ensuite, je trouve de la marque Human Plus Kind, c'est un 3 en 1 qui va venir hydrater toutes les zones un petit peu rugueuses de notre corps, aussi bien les mains, les pieds que les coudes. Donc ça, c'est le genre de produit que j'utilise beaucoup plus l'hiver. Mais comme c'est à base de pamplemousse, ça doit avoir un petit côté rafraîchissant bien sympa. Ensuite, je trouve une lime à ongles, c'est une lime à ongles 4 en 1. On commence par limer et parfaire la forme de nos ongles. Ensuite, on vient lisser la surface, puis polir délicatement. Et enfin, on vient faire briller. Et bien voilà, c'est tout pour la présentation de la Birchbox spécialité. Perso, ben moi je suis contente de toutes ces petites découvertes. Dites-moi en commentaire surtout si vous l'avez reçu et ce que vous en avez pensé. Je vous fais un énorme bisou et vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut !